Bienvenue dans Passé Présent, l'émission d'histoire dirigée par Philippe Conrad. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Philippe Conrad, c'est Pierre de Meuse que nous retrouvons et qui va nous accompagner pour découvrir un sujet mal connu peut-être. Bonjour Pierre. Bonjour Catherine. Alors, quel est le sujet que vous avez préparé? J'ai entendu parler, comme tout le monde, comme tous nos amis de Téléliberté, de TV Liberté, j'ai entendu parler de ce référendum qui va bientôt avoir lieu, bien que le gouvernement espagnol s'y oppose, en Catalogne. Et il m'a semblé intéressant de réfléchir aux antécédents historiques de cet événement, qui sont propres à l'Espagne, et notamment, j'ai pensé aux guerres carlistes, un épisode qui est assez mal connu des Français, d'abord parce qu'on ne connaît pas forcément très bien l'histoire d'Espagne. C'est vrai. Et qui a été très important pour l'avenir de l'Espagne et la façon dont les Espagnols concevaient leur nation. Alors, qu'est-ce que c'est que ces guerres carlistes? Eh bien, au départ, il s'agit d'une querelle dynastique. En effet, le roi Ferdinand VII, fut un roi assez calamiteux, finalement, dont le règne a été vraiment catastrophique, puisqu'il a vu de nombreuses spoliations de souveraineté et l'indépendance des pays d'Amérique latine espagnole qui se sont séparés de la tutelle de Madrid. Ce roi Ferdinand VII décide, un peu de temps avant sa mort, de modifier la loi de succession, en un mot, d'abolir la loi salique. Alors, nous sommes en quelles années là? Alors, Ferdinand VII est né en 1784 et il meurt en 1833. D'accord. N'est-ce pas? Et c'est au début des années 1830 que Ferdinand VII décide d'abolir cette loi salique. Ce faisant, il va déposséder de ses droits à la succession son frère Carlos, car il n'a pas de fils. Mm-hmm. En revanche, il a une fille, une petite fille qui est âgée de 5 ans. Et au moment de sa mort, donc qui n'est pas en état de régner, mais dont il demande à son épouse d'assurer la régence. Et bien sûr, Carlos, le frère, n'est pas d'accord. Jusque-là, il ne s'agit que d'une question de succession qui aurait dû se solder assez rapidement. Mais en réalité, il y a derrière cette querelle une querelle idéologique, une conception de l'Espagne et une conception de la monarchie complètement différente. En effet, la régente Marie-Christine et la reine Isabelle par la suite ont une conception libérale de la monarchie, une monarchie constitutionnelle, une monarchie quasi-parlementaire et surtout centraliste et libérale. Alors que l'infant Carlos, qui va devenir le chef du parti carliste, lui est favorable à une monarchie traditionnelle, absolutiste, ou plutôt, il serait plus exact de dire pré-absolutiste. C'est-à-dire qu'il est pour une monarchie dans laquelle la souveraineté appartient au monarque, mais limitée par de nombreuses libertés, de nombreuses autonomies, l'Espagne n'étant pas un régime, n'étant pas un État, une nation unique, mais composée de diverses ethnies, de diverses provinces, avec leur langage, avec leurs traditions, leurs coutumes différentes. Et donc, il y a une insurrection qui a lieu, et très rapidement, cette insurrection va pratiquement gagner la plus grande partie de l'Espagne, à tel point que la victoire des carlistes paraît certaine jusqu'au moment où l'intervention de l'étranger va changer la donne. L'étranger, c'est-à-dire la France de Louis-Philippe et l'Angleterre. La Grande-Bretagne et la France vont envoyer des corps expéditionnaires, en particulier la Légion étrangère pour la France. Oui, qui est toute neuve. Qui est toute neuve. Et donc, d'ailleurs, il faut reconnaître que les actions en Espagne au cours de la guerre de Carliste ne vont pas être très glorieuses, puisqu'on aura plus de 50% de désertion, d'innombrables sévices et exactions commises de part et d'autre. Il faut bien que jeunesse se passe. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. C'est tous les tout débuts et les origines ne sont pas toujours belles, oui, comme disait le maître. Donc, cette intervention anglo-française va avoir pour résultat de changer complètement la donne et Carlos va perdre la guerre. À la suite de ça, il abdique en faveur de son fils, qui s'appelle lui aussi Carlos,
qui va lui aussi tenter une insurrection quelques années plus tard, hein, en 1849, et puis qui va mourir et laisser la place à son propre fils, qui s'appelle Carlos VII, et qui va, peu d'années plus tard, déclencher une troisième guerre carliste. L'Espagne a donc connu presque 60 ans de guerre civile ininterrompue avec le carlisme. Oui. C'est très important, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est sur cette troisième guerre carliste que je vais un peu m'attarder, parce qu'elle est particulièrement intéressante. Le carlisme est donc, s'est donc forgé avec le temps comme un mouvement populaire, un mouvement hostile à la modernité dans ce qu'elle a de desséchant, si je veux dire. C'est un mouvement qui est favorable aux autonomies locales, aux langues locales. Beaucoup de ces troupes carlistes parlent une autre langue que le castillan. Ils parlent le basque, l'aragonais, le catalan et même le valencien. Donc c'est une armée qui est naturellement régionaliste. Et c'est un mouvement qui est également très catholique, fondé sur un catholicisme d'ancien régime, c'est-à-dire qui est très marqué par l'esprit baroque, n'est-ce pas ? Très marqué par l'esprit baroque, une survivance du XVIe siècle qui se maintient dans ce mouvement. Alors la troisième guerre carliste, elle commence à partir du début des années 1870. Il faut savoir que la reine Isabelle, la petite Isabelle... Qui a grandi. Elle a été un monarque tout à fait médiocre, dans la mesure où on ne peut pas dire que l'esprit de décision règne dans ce régime. Et surtout, elle a un peu discrédité la fonction à cause de sa nymphomanie. Allons bon. Oui. Et oui. Dans la catholique Espagne. Dans la catholique Espagne. Ça, c'est pas de chance. C'est pas de chance. La reine Isabelle, il faut dire que la pauvre, elle a été mariée à son cousin. Vous savez, en Espagne, les familles royales se mariaient beaucoup à un point tel que c'était inextricable. Oui. Une consanguinité inimaginable. Et son cousin, qui s'appelle Francisco de Assis, et lui, malheureusement, il n'aime pas du tout les femmes. Il n'a jamais voulu approcher une femme de sa vie. Lui, il s'intéresse plutôt aux messieurs. Oui. Donc, ça va être difficile quand même... De perpétuer l'espèce. Oui. Et Louis-Philippe a organisé ce mariage parce qu'il faut que je vous dise qu'il y a un des fils de Louis-Philippe qui a épousé une infante d'Espagne. Et, ah bon ? Mais oui, tout à fait. Et qui est devenu le chef de la branche Bourbon-Orléans. N'est-ce pas ? Mm-hmm. Qui existe toujours aujourd'hui, et qui s'appelle le duc de Montpensier. Et Louis-Philippe espère bien que ce duc de Montpensier va régner sur l'Espagne. Et il se dit, puisque la reine n'aura pas d'enfant, eh bien, il est évident que dans ces conditions, c'est mon fils qui va régner. Ah oui. C'est intelligent, c'est ingénieux. C'est ingénieux, mais Louis-Philippe n'avait pas pensé qu'une femme pouvait faire des enfants avec d'autres personnes que son mari. Ah oui, ça n'a pas dû lui traverser l'esprit, voilà. Ça c'est sûr. c'est insensé, mais c'est comme ça. Enfin bref, donc, la reine a eu quand même 12 enfants, aucun du même père, n'est-ce pas ? 12 enfants ? Oui. Donc la monarchie est un peu discréditée, ce qui fait que en 1869, il y a une crise, un pronunciamiento, et le général Prim prend le pouvoir et abolit la monarchie bourbonienne. Il disait les Bourbons, jamais. Comme le général Prim voit bien que ça fait un peu désordre qu'un général devienne roi, il décide de proposer la couronne d'Espagne d'abord à Hohenzollern, ce qui est à l'origine de la guerre de 1870. Je ne sais pas si vous vous souvenez. La dépêche d'Ems, qui était relative à cette désignation de Hohenzollern pour devenir roi d'Espagne. Et finalement, sur le refus du roi Guillaume Ier de Prusse, on propose la couronne au fils du roi d'Italie, qui s'appelle Amédée de Savoie. Amédée de Savoie va régner, mais tout de suite, dès la nomination d'Amédée de Savoie, c'est le soulèvement. Et le prétendant Charles VII, n'est-ce pas, le fils du précédent, va organiser un soulèvement de toute l'Espagne. Et ça va être fulgurant. En l'espace de 3 mois, les 2/3 de l'Espagne deviennent carlistes,
occupée par les carlistes. Donc l'italien est repoussé. L'italien, il y a deux rois en Espagne à ce moment-là, rois, un roi qui règne à Madrid. Un parachuté, on peut parachuté, dire. Parachuté, tout à fait. Le problème, c'est que Amédée de Savoie se rend bien compte que c'est pas très confortable d'être roi dans un pays pareil, où les assassinats sont constants, etc. Et il décide de s'enfuir. Mm-hmm. Amédée de Savoie s'enfuit d'Espagne, et à ce moment-là, de nombreux monarchistes, qui n'étaient pas forcément carlistes, se rallient au carlisme. On pense que le carlisme pouvait gagner. À l'époque, le duc de Montpensier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, lui espère bien qu'à cette occasion, il va pouvoir devenir roi, mais ses espoirs sont déçus. La reine Isabelle, de son côté, voudrait bien revenir, comme reine d'Espagne, et puis, finalement, elle échoue. Alors, le carlisme se trouve face à un gros problème, c'est qu'il n'a absolument aucune existence internationale. Aucun État ne veut reconnaître le gouvernement carliste qui se crée à ce moment-là dans le nord du pays. Et de même, de nombreux États sont résolument hostiles à fournir du matériel à l'armée carliste, qui a besoin d'artillerie, qui manque énormément d'artillerie. Et alors en revanche, la France de la Troisième République commençante, l'Angleterre aide les Isabellins, ou Alphonse V, comme on voudra. Finalement, comme il y a à Madrid plusieurs coups d'État, le général Serrano établit la République, mais il se rend bien compte que la République ne peut pas tenir, et il décide de ramener le fils d'Isabelle en Espagne, Alphonse XII. L'aîné des 12, oui. D'accord. Voilà. Ouais. L'aîné des garçons, des 12, ouais. Qui revient en Espagne, et qui va diriger nominalement les troupes du général Serrano qui vont partir à l'assaut des carlistes. Et là, les carlistes ont de nombreux succès, mais finalement, ils n'arrivent pas à faire la décision, précisément par manque de matériel. Ils tentent d'envahir les villes. Les villes sont isabellines, alphonsines, et les campagnes sont carlistes. Il essaye de prendre Bilbao, mais faute d'artillerie, il n'arrive pas à le prendre. Et c'est la première grande défaite de l'armée carliste. Donc, par cette perte de Bilbao, commence à sonner l'échec. Et finalement, peu à peu, en l'espace de 2 ans, les armées carlistes reculent. Et à partir de 1876, ça a duré quand même très longtemps, hein, ça a duré presque 6 ans, le carlisme échoue et le roi Carlos VII est obligé de quitter l'Espagne et de se réfugier en France. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de cette guerre, des personnages, car c'est une guerre qui est, bien sûr, comme toutes les guerres civiles, extrêmement cruelles. Mais en même temps, c'est une guerre extrêmement romantique, avec un aspect que l'on ne connaît plus dans les guerres modernes, puisque la guerre est menée par le roi lui-même, Charles VII, le roi carliste, entre guillemets, n'est-ce pas ? Le roi carliste, Charles VII. Alors là, c'est quelle année quand eh bien, la guerre commence en 71, elle se termine en 1876. D'accord, hein, oui. Voilà. D'accord. Donc, le roi Charles VII mène sa guerre avec sa femme, Marguerite de Parme, accompagnée de son frère qui a 20 ans et de sa femme. Donc, il mène la guerre en couple. Deux couples familiaux qui mènent cette guerre. Et le roi Charles VII est un personnage très attachant. Il est très grand, athlétique, très casse-cou, très courageux. Il porte toujours invariablement la boina, c'est-à-dire le béret rouge. Le fameux béret rouge des carlistes. Enfin, oui. Pour les princes, le béret n'est pas rouge, il est blanc. Hein. Ah. Seuls les requêtés, c'est-à-dire les soldats, portent le béret rouge. Et donc il est toujours avec ses soldats, il est adoré par ses soldats. Donc c'est un personnage qui est vraiment haut en couleur. Bon, il a un petit défaut, c'est qu'il est extrêmement amateur de femmes. Hein. Ça lui jouera quelques tours. Bon, passons. Il est un peu impulsif. Mais politiquement, il a été formé par le comte de Chambord, qui est son grand-oncle, n'est-ce pas ? Et qui lui a inculqué des idées très, très précises, des idées contre-révolutionnaires, et en même temps, qui lui a permis de faire des études techniques. Il est ingénieur,
Et oui. Tenez-vous bien, c'est lui qui a inventé les zodiacs, les canaux gonflables, qui seront utilisés pour la première fois dans l'histoire pour passer les rivières. Sensationnel, ça. C'est extraordinaire. Pas beaucoup de gens qui savent ça. Oh, ben oui, c'est assez inconnu. Bon. Et le carlisme a essayé non seulement de faire la guerre, mais également de créer un État d'un style nouveau. Je vais vous parler un peu de cet État carliste, qui est très particulier, qui a existé en Espagne, dans tout le nord de l'Espagne, avec une monnaie, des chemins de fer, un gouvernement, une poste, un État civil, et qui a également créé à Oñate une université. Et ce qui est particulier, c'est que cette université, elle prévoit le cadre du carlisme, elle obéit au cadre du carlisme, c'est-à-dire que l'enseignement est à Oñate, qui fait partie du Pays Basque, l'enseignement est assuré en espagnol et en basque. Et il est prévu que d'autres universités vont être créées à Tarragone, à Valladolid, un peu partout, qui chacune respectera les langues locales, les identités locales. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, finalement. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais enfin, il est clair que certaines langues, en Catalogne, c'est clair que le catalan est parlé par tous les Catalans. Ce n'est pas forcément le cas dans toute la région. Dans le reste de l'Espagne. Donc, cet État existe, il va quand même réglementer le nord de l'Espagne pendant 3 ans, mais impossible d'acheter du matériel, car l'embargo a été fait par la France républicaine, l'Angleterre, la Prusse, curieusement, la Prusse... Oui, alors ça, justement, c'est une chose que nous allons apprendre, qui est assez intéressante. La Prusse était très hostile à l'État carliste. Et ils ne permettent pas le transport de matériel. La Russie, elle, était d'accord, mais évidemment, elle était très loin. Trop loin, elle ne bénéficiait pas des moyens pour le faire. Et Charles VII va donc mener cette guerre jusqu'à la fin, avec beaucoup de courage. Et une fois quitté l'Espagne, il va continuer à avoir des activités, réorganiser le carlisme et même faire la guerre pour son propre compte, puisqu'il a participé sous l'uniforme russe à une mini-guerre entre la Russie et la Turquie. Avec la protestation, bien sûr, de l'ambassadeur espagnol qui était mécontent de cette situation. Donc le carlisme va s'assoupir pendant de longues années. Et puis par la suite, il va renaître de ses cendres, ou plutôt il va, les braises vont être ranimées avec la Deuxième République espagnole, qui a mené une politique très anticléricale, très hostile aux traditions espagnoles, et le carlisme va se réveiller et réunir plusieurs centaines de milliers de requêtés, de volontaires, qui vont participer à la guerre civile de 1936. Donc vous voyez la résurgence de ce carlisme qui témoigne d'un état d'esprit tout particulier. Le carlisme va pas mal souffrir de la période franquiste parce que Franco lui interdira son expression. Franco n'acceptait pas que l'on fasse des variantes dans son régime, n'est-ce pas ? Et ce qui fait que le carlisme va un peu perdre de son identité. Et après le franquisme, eh bien, il se survit à travers un certain nombre de mouvements qui sont évidemment aujourd'hui très minoritaires. Mais évidemment, tout ça, c'est une autre histoire. Enfin voilà, vous avez donc une histoire très propre à ce pays, très propre à l'Espagne, une conception de la nation dans la diversité de toutes ces Espagnes et qui a été apportée à l'époque moderne par le carlisme et tout particulièrement par Charles VII qui finira par mourir en 1909 dans un hôtel de Varèse dans le nord de l'Italie. Voilà un morceau d'histoire qui est assez mal connu des Français et qui me paraît mériter tant par sa portée idéologique et structurelle que par l'aspect sympathique et je dirais romantique de ces personnages. Eh bien, merci beaucoup Pierre, c'était passionnant et on en sait beaucoup plus sur les guerres carlistes. Personnellement, je ne savais pas grand-chose. On se retrouve dans quelques instants, restez avec nous. Vous savez que j'aime les histoires qui se terminent bien, en général.
Eh bien là, je vais vous raconter une histoire qui se termine très très mal. C'est en fait le naufrage le plus célèbre du monde, au moins jusqu'à celui du Titanic. Je parle bien sûr du naufrage de la Méduse. Alors la Méduse, c'était une frégate lancée en 1810 et semble-t-il, dès la mise à l'eau de la coque, il y a eu des signes prémonitoires de malheur. Un marin en particulier a dit « Avec la figure de proue qu'a ce bateau, on n'aura que des ennuis ». Il avait raison. La Méduse va naviguer pendant 5 ou 6 ans. Son premier voyage, c'est jusqu'à Batavia, dans les Indes néerlandaises. Puis elle fera plusieurs fois la traversée de l'Atlantique, sans problème particulier. C'est un bon bateau qui fonctionne bien. Mais nous voici en 1816. C'est la Restauration et Louis XVIII récupère les comptoirs français du Sénégal qui avaient été kidnappés, si j'ose dire, par les Anglais au moment de l'Empire. Là, il les récupère, il veut réinstaller eh bien, toute une administration, des militaires et des colons. Donc, toute une flottille de bateaux part vers Saint-Louis du Sénégal le 17 juin 1816. Alors, il y a bien sûr le bateau amiral dirigé par Hugues Duroy de Chaumaret, qui est un ancien marin royaliste qui n'a plus pris la mer depuis l'Ancien Régime. Donc, il ne sait plus très bien naviguer, ça va être dramatique. Et puis, il y a d'autres bateaux plus petits, l'Écho, le brick Argus, et puis une flûte qui s'appelle la Loire. La frégate emporte 392 hommes d'équipage et passagers et le départ se passe très bien et le commandant est très fier d'aller beaucoup beaucoup plus vite que les autres bateaux. Évidemment, c'est un bateau plus puissamment armé, plus rapide et il prend de l'avance sur le reste de l'escadre. Malheureusement, Monsieur de Chaumaret est un exécrable marin, puis il a tout oublié même s'il avait été un bon marin 30 ans avant. Il est extrêmement psychorigide, il n'écoute pas ses officiers qui, eux, ont quand même plus d'expérience récente. Et il va écouter un des passagers à bord qui lui dit « Mais je connais par cœur ce coin-là, il faut raser la côte, vous verrez, on arrivera avant tout le monde. » Oui, mais il y avait le banc d'Arguin, c'est-à-dire des bancs de sable terribles que tous les navigateurs, bien évidemment, connaissaient. Eh bien, Chaumaret n'écoute rien. On a beau faire des sondages, il voit que, par exemple, il y a d'abord 10 mètres de fond, puis 7, puis 5, puis 2. Il continue tout droit. Il est de toute façon pris de boisson la plupart du temps, car à bord de la Méduse, il n'y a pas beaucoup d'eau potable. Mais par contre, il y a énormément d'alcool qui devait arriver à Saint-Louis du Sénégal. Donc, en gros, tous les officiers sont sous dès 8 heures du matin, ce qui n'arrange pas du tout la conduite du navire. Et ce qui doit arriver arrive, évidemment, le 2 juillet, alors qu'ils sont partis le 17 juin. Le 2 juillet, la Méduse s'échoue sur le banc d'Arguin. Bon, catastrophe, ils sont loin de tout. Les autres bateaux ont pris une autre route, bien évidemment, et eux sont arrivés à bon port. Et ils essayent de faire de remettre à l'eau la Méduse, ça ne marche pas. Du coup, ils décident de construire un grand radeau qui va faire 20 mètres sur 7 avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec les mâts, avec les cordages qu'ils trouvent, en prenant des cloisons intérieures pour faire une sorte de plancher. Mais enfin, c'est un travail extrêmement grossier, extrêmement rapide, fait par les charpentiers de marine. Et ce radeau est mis à l'eau, il flotte plus ou moins. Et au départ, il n'est pas question de mettre des humains dessus, il est question d'alléger le chargement de la Méduse. Puis une tempête fait rage toute une nuit, le bateau fait eau de toutes parts, et là, le capitaine se dit « il faut abandonner le navire ». Alors secrètement, avec quelques officiers, ils font une liste de ceux qui auront le droit de monter dans les 6 canots de sauvetage. Pas beaucoup, 6 canots de sauvetage, même s'ils sont grands. Et bien évidemment, tout le monde ne peut pas monter sur les canots de sauvetage, et les autres vont être entassés sur le radeau. Et même là, il n'y a même pas de la place pour tout le monde. Et 17 malheureux vont rester sur le bateau échoué. Et ils vont être oubliés là jusqu'au mois de septembre. Ils vont y passer 2 mois, mourant de faim.
et sur ces 17, on va en sauver 3, quand finalement un bateau va passer par là et les sauver, enfin sauver les survivants au mois de septembre. Alors les canots, au départ, disent à ceux du radeau, ne vous inquiétez pas, on vous attache solidement au canot et on vous tire. Mais non, nouvelle tempête, et là, est-ce que c'est un accident? C'est plus probablement délibéré, ils coupent les amarres, et le radeau, qui n'a aucun moyen ni d'être dirigé ni d'avancer, est pris par le courant et s'éloigne et va être ballotté par les flots pendant 13 jours. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce radeau? Ben, pas grand-chose. Ils ont fait toutes les bêtises possibles, imaginables sur la Méduse. C'est-à-dire que les tonneaux d'eau potable, je vous jure que c'est vrai, ont été jetés à la mer. Ils n'ont gardé que l'alcool. Donc, il y a de l'alcool, mais pas assez pour être hydraté. Par contre, il va y avoir des scènes d'une violence incroyable, des mutineries, ils vont se battre entre eux à coups de sabre, ils vont se précipiter à la mer, et évidemment, sauf ceux qui peuvent s'accrocher une corde qui traîne par là, c'est la mort certaine. Les marins ne savaient pas nager à l'époque, pour la plupart. Ça va être épouvantable, et la faim, en plus de la soif, la faim, parce qu'ils attrapent quelques poissons volants, mais enfin, pas assez. Ils sont 152 sur ce radeau maudit, et c'est surtout les bagarres internes qui vont tuer énormément de monde. Enfin, il y aura des scènes de cannibalisme, ça c'est vrai. Les morts qui ne sont pas jetés à la mer sont gardés, sont découpés. Avant ça, ils ont rongé les cordes qui tenaient les lattes du radeau entre elles. Ils ont rongé leurs ceinturons, leurs chapeaux pour ceux qui en avaient. C'est effroyable. Et quand enfin l'Argus, enfin envoyé par le commandant, qui lui, je vous rassure, est bien arrivé à Saint-Louis, tout va bien, hein. C'est le seul. Un autre canot, lui, a fait un mauvais choix, a échoué beaucoup plus au nord, et là ils ont dû marcher pendant 15 jours attaqués par les Bédouins, il y aura de très nombreux morts, soit de faits de guerre, soit de soif, mais le commandant, ça va, lui, voyage sans histoire, et il envoie des secours, non pas pour sauver le reste de son équipage, mais pour récupérer des tonneaux de pièces d'or qui étaient sur ce radeau, puisque c'était le fonds de caisse prévu pour Saint-Louis du Sénégal. C'était quand même un cœur un peu sec, hein, ce commandant de Chaumaret. Alors, qu'est-ce qui va se passer au retour? Ça va faire un scandale épouvantable. Et les républicains ou les bonapartistes vont attaquer bille en tête en disant « c'est typique hein, ». C'était un officier royaliste de l'ancien régime qui n'y connaissait rien et qui a sacrifié son équipage, qui a été d'une lâcheté et d'une incompétence incommensurable. Et il va passer en jugement l'année d'après. Il risque sa tête hein, quand même. Il va être jugé sur un bateau de la marine nationale au large de Rochefort. Les témoignages des survivants sont accablants. En particulier deux témoignages, le chirurgien du bord qui s'appelle Jean-Baptiste Savigny et puis un ingénieur géomètre qui était un homme remarquable, Alexandre Coréard. Et leurs témoignages vraiment accablent non seulement le commandant, mais aussi tous les officiers du bord. Le commandant ne sera condamné qu'à 3 ans de prison, ce qui n'est pas très cher payé pour ce qu'il avait fait, et après, il va être prié de se faire oublier. Là-dessus, 2 ans après le procès, un grand peintre, Théodore Géricault, va représenter ce naufrage et surtout ce radeau. Le tableau va être un des tableaux les plus célèbres du monde, évidemment tout le monde l'a en tête. Géricault a choisi comme scène le moment de l'espoir où 3 ou 4 survivants voient de loin l'Argus qui s'approche et qui font des gestes désespérés, et au premier plan bien sûr on a les cadavres, on a les mourants. Alors il a fait poser 7 des survivants du radeau. Sur le radeau, 152 personnes, l'Argus va en sauver 15, dont 5 vont mourir avant même d'atteindre le Sénégal. Donc, résultat, 10 survivants. C'est pas beaucoup, vraiment, c'est pas beaucoup.
Géricault va aussi hanter les morgues et récupérer des cadavres et des morceaux de cadavres. Alors il paraît que c'était une infection dans son atelier, qu'on ne pouvait pas rentrer, surtout que c'était l'été, il faisait très chaud. Mais ça donne un résultat absolument saisissant. Et ce tableau est un des plus forts de la peinture française, bien évidemment. Et c'est une sorte de charge aussi contre la royauté. Il va d'ailleurs bien être pris comme ça et très critiqué au moment où il va être exposé pour la première fois. Le tableau fait 7 mètres sur 5, il est gigantesque. Et puis vous savez que Géricault va mourir d'une chute de cheval, dit-on, d'autres disent de maladie, à 32 ans. Mais il nous a laissé, entre autres, cette œuvre impérissable. Et les malheureux du radeau de la Méduse, eh bien, sont connus dans le monde entier. Mais quel gâchis! Chers amis de Téléliberté, nous continuons avec notre émission historique avec un invité qui s'appelle Hilaire de Crémier, que vous connaissez peut-être car il a déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres émissions. Hilaire de Crémier qui est un grand érudit, qui dirigeait encore jusqu'à ces derniers temps, peut-être encore aujourd'hui, un mensuel, politique magazine. Je le dirige encore. Vous le dirigez encore, Hilaire. Remarquable magazine. Et donc, qui a fait de nombreuses études sur des sujets d'histoire des idées politiques. Et aujourd'hui, il va nous parler de l'Action française et l'Église, et notamment cette fameuse condamnation par Pie XI en 1926. Hilaire de Crémier, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous intéresser à cette question ? Ah ben dès mon plus jeune âge, j'appartiens à une famille qui était d'Action française, qui est toujours d'Action française d'ailleurs, bon, d'une certaine manière, dans tous les cas, qui appartient à cette famille d'esprit, et très jeune, parce que je sentais que dans ma famille, cette condamnation de 1926 avait été un choc intellectuel, spirituel, moral, considérable. Et ce que j'ai appris par, tout simplement par oui dire, puisque mes propres parents faisaient partie des excommuniés de 1926, ce que j'ai appris par eux, c'est la portée considérable de cet événement où peut-être le siècle a basculé d'une certaine manière, en tous les cas pour la France, incontestablement, et dont les conséquences sont incalculables et se mesurent encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a eu des prises de position telles que, comme toujours quand on prend des positions dans les directions, dans les grandes directions, il y a des conséquences qui se déroulent, et ça a été le cas pour la France, et ça a été le cas pour l'Église. Alors pour dire les choses en quelques mots très brefs, parce que il faudrait des heures et des heures de conférence, mais l'Action française était une force nouvelle qui était apparue, on va dire au début du XXe siècle, très exactement, c'est 1899. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de extrêmement précis, mais on va dire les choses d'une manière générale. On a appelé ça les néo-royalistes, c'est-à-dire ce sont des intellectuels, dont beaucoup d'ailleurs n'appartenaient pas du tout à des familles ni traditionnelles, et encore moins des familles dites aristocratiques ou de tradition royaliste, qui se sont retrouvés pour réfléchir sur la situation de la France à la fin du XIXe siècle. Et sous l'influence incontestable d'un jeune intellectuel qui s'appelait Charles Maurras, qui était Martégal d'origine, se sont mis à réfléchir plus particulièrement sur les institutions. Et c'est ça ce qui est intéressant, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous nous trouvons devant un problème institutionnel que les Français ont du mal à appréhender, parce qu'on leur a expliqué que ces institutions faisaient partie de leur cadre, et je vais aller beaucoup plus loin, faisaient partie d'une sorte de, allez, j'emploie le mot, de religion.
une religion au-dessus de toutes les autres religions et qui s'appelle la République. Et on doit donner son adhésion à cette religion au motif qu'elle a apporté le bonheur dans l'humanité. Vincent Peillon l'a redit encore récemment, c'est pas le seul, à l'époque Clémenceau disait la même chose. Bon, les Buissons, dès la Révolution française tout, d'ailleurs, les premiers révolutionnaires expliquaient bien qu'ils comptaient faire une nouvelle religion. Voilà. Alors, pour revenir à notre propos, parce que tout à fait exact, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'on peut dire que la première Action française a précisément voulu rejeter cet aspect religieux, c'est-à-dire que nous allons étudier les institutions, les mécanismes institutionnels en eux-mêmes, et on va arrêter de partir de présupposés métaphysiques, mais on va faire de ce que Maurras appelait de l'empirisme organisateur, c'est-à-dire on va voir quelles sont les institutions qui ont été bénéfiques pour la France, et puis surtout on va essayer de comprendre pourquoi les institutions actuelles amènent ces conséquences si néfastes, que ce soit en politique extérieure ou en politique intérieure. Alors on n'est pas là pour faire un cours sur ce sujet-là, mais c'était très intéressant parce que c'était nouveau. C'était d'une certaine manière non confessionnel, bien sûr, mais il n'empêche que les familles traditionnelles ont facilement rejoint assez vite cette manière de voir nouvelle. Maurras recommandait d'Auguste Comte, alors ensuite ça lui a été reproché, il se recommandait de Sainte-Beuve, il se recommandait d'Hippolyte Taine, il se recommandait même du Renan de la réforme intellectuelle et morale. Tout cela était donc un véritable renouveau intellectuel et qui a abouti assez vite à un mouvement, à un quotidien en 1908, et puis ensuite à des camelots du roi et à des gens qui allaient dans la rue pour défendre la France. Bon, alors ensuite, on peut porter des jugements sur telle ou telle chose. C'est du détail. Mais ça, c'est la prémisse de notre affaire, parce que c'est là-dessus que l'attaque va se porter. C'est-à-dire que dès le début, des gens qui s'étaient très engagés du côté de ce qu'on peut appeler la démocratie chrétienne, c'est-à-dire du ralliement. Alors, il faut rappeler, en 1892, le pape Léon XIII, croyant bien faire, incontestablement, c'est par ailleurs un pape qui a écrit de superbes encycliques, y compris contre la franc-maçonnerie, sur le Sacré-Cœur, sur la Sainte Vierge, puis des encycliques philosophiques, et bon, Rerum Novarum, tout le monde connaît, si j'ose dire. Mais Léon XIII avait cru qu'il était indispensable, en tous les cas intelligent, d'arrêter de se fixer sur les institutions de l'ancienne France, sur ce qu'il appelait la nostalgie, le passé, mais qu'il fallait décidément s'ouvrir d'une certaine manière à la modernité. Et puisque la France était encore une nation catholique, dans un univers monarchique, mais avec des gouvernements, à l'époque, pratiquement tous les gouvernements étaient maçonniques. Bon, en France également, bien sûr, la République était maçonnique, mais Léon XIII se disait, après tout, c'est un gouvernement parlementaire, donc ayons des bons députés. La majorité en France relève encore, d'une certaine manière, du catholicisme. Donc, on pourrait, dans le cadre des institutions, qu'il ne s'agit plus de contester, se dire, eh bien, nous allons avoir des majorités, et puisque les gouvernements sont issus du Parlement, puisque c'était le régime parlementaire, c'était pas du tout un régime présidentiel, ça aurait pu l'être à l'origine de la Troisième République, comme chacun sait, mais ça n'a pas été le cas à la suite de la démission de MacMahon. Donc, il se disait, il y aura un bon gouvernement, et par conséquent, il y aura de bonnes lois, puisque ça sera à la majorité. Et d'où cette prescription qu'il a fait en février 1892, de cette prescription de rallier la République, et puis même, on pouvait garder ses convictions personnelles à l'intime, mais il fallait le faire sans réticence et franchement. Alors l'opération a été faite, elle a été, du point de vue électoral, désastreuse, et la lutte contre la religion catholique a repris de plus belle. Après, bon, il y a eu un moment, un conflit entre des opportunistes et des radicaux, c'est comme ça qu'est né le radicalisme, d'une certaine manière. Mais les autres, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, eux, quand ils avaient pris en main la République, et bien, dès les années 1880, ils avaient fait les lois sur l'éducation, ils avaient pris en main l'enseignement qui existait auparavant. On fait croire que ça n'existait pas auparavant, mais tous les villages de France avaient leur école avant au 19e siècle. Oui. Et, bon, et,
Et surtout, il convenait d'enseigner la nouvelle, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle religion. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que, d'une certaine manière, ce ralliement a consisté à consacrer, comme une sorte d'idée métaphysique et comme une sorte de déesse au-dessus de tout, la République française. C'était pas dans l'esprit forcément de Léon XIII, mais c'est concrètement, c'est comme ça que ça s'est produit, et c'est comme ça que un certain nombre de clercs l'ont pris, et il y a eu le développement d'une démocratie chrétienne, d'autant plus que ça allait à l'époque avec un certain modernisme, un certain progressisme, un grand accord universel de toutes les religions, où tout le monde s'entendrait, il y a eu des congrès à l'époque nombreux sur ce sujet, et évidemment les clercs les plus engagés ont commencé à attaquer l'Action française qui venait sur un terrain politique, mais ne se recommandant pas d'une métaphysique, se recommandant simplement d'une analyse politique, venaient critiquer leur choix en disant mais c'est désastreux parce qu'au nom d'une certaine métaphysique, vous emmenez la France dans un désastre. Et puis les gens voyaient venir la guerre de 14-18. Maurras l'avait annoncé dans quel étanger, 500 000 jeunes Français couchés froids et sanglants sur leur terre mal défendue. C'était donc très... Le conflit était donc dès le départ très fort. Et alors on a accusé Maurras de paganisme au motif qu'il avait écrit des ouvrages et en particulier son premier livre qui s'intitule « Le chemin de paradis ». Et alors les abbés Pierre, parce qu'il y avait un abbé Jules Pierre, il y avait un abbé Lugan qui faisait des pamphlets et qui disséquait les textes de Maurras en faisant d'ailleurs des extrapolations, des coupures intéressantes et falsifiées évidemment. Oui, pour prouver leur thèse. Oui. Voilà. Donc on avait affaire à un impie et donc l'Action française c'était quelque chose de redoutable parce que sous les apparences du bien, d'un combat pour la France et d'un combat intellectuel pour la vérité, parce que derrière, il y avait tout un renouveau intellectuel et même philosophique. Il faut se souvenir qu'un maritain, par exemple, écrivait dans la Revue universelle et appelait Maurras « cher maître ». Et qu'un nombre de directeurs de séminaires étaient, non pas séduits, parce que le mot est inexact, mais étaient convaincus de la nécessité de ce renouveau intellectuel indépendant. Avec l'avantage qu'il était indépendant de prescriptions confessionnelles, de prescriptions cléricales. Mmh. Et alors, c'est terrible, parce que l'autorité de l'Église pouvait servir à condamner, se mettant en quelque sorte à un niveau au-dessus. Bien sûr, vous prétendez faire de l'empirisme, mais nous, on est à un niveau au-dessus. Et ce que l'on vous reproche, c'est non seulement votre méthode et ce que vous faites, mais c'est plus profondément la philosophie secrète qui se trouve, qui se cache derrière votre prétendu renouveau néo-royaliste. Mmh. Alors ça s'est manifesté particulièrement après-guerre, parce qu'après-guerre, l'Action française avait eu tellement raison dans ses analyses. Bainville avait écrit ses conséquences politiques de la paix, annonçant 20 ans à l'avance exactement dans le déroulement ce qui allait arriver en 1939-1940. Nos hommes politiques avaient montré leur incapacité, même les bons, parce qu'à l'époque il y avait encore de puissants esprits, des pointures comme on dit aujourd'hui. Mais ils étaient prisonniers d'un système que d'ailleurs ils condamnaient, mais généralement dans leur mémoire. Il faut lire les mémoires de Poincaré, les mémoires de Clémenceau. Tous reviennent sur le passé pour dire, si c'était à refaire, je ne referais certainement pas ce que j'ai fait, en tous les cas dans le cadre de où j'étais obligé d'agir, qui était un cadre contraignant. Donc des gens qui se rendaient parfaitement compte que le système était en lui-même pervers. Chose que Léon XIII n'avait pas analysé et chose que Maurras avait parfaitement analysé. Oui. Comment se fait-il, même encore à l'heure actuelle, que ce peuple français qui est ce qu'il est, mais qui n'a pas, qui proteste et qu'on l'a vu encore dimanche dans la rue, comment se fait-il que quand ça passe dans la moulinette électorale, au résultat, ces Français ne sont pas représentés. Ils sont représentés par des appareils qui, eux, se disputent le pouvoir et l'occupent comme une sorte de superstructure. Et 100 ans plus tard, c'est toujours le même problème. Voilà, et c'est intéressant parce que même là, on pourrait dire, d'une certaine manière, mais c'est un jeu d'esprit, mais... Dans ces cas-là, on redeviendrait assez volontiers saint-simonien et marxiste. C'est le cas de dire que la superstructure, à quoi sert-elle marxiste, Je dis ça en riant. Mais c'est un peu, le rapprochement qu'on pourrait faire avec l'empirisme organisateur de Maurras. C'est-à-dire,
il y a quelque chose d'incroyable dans le système dans lequel nous vivons, c'est que la superstructure ne répond absolument pas à la structure. Oui, c'est vrai, c'est un décalage absolument. Pays réel et pays légal. Maurras a qualifié, maintenant tout le monde reprend cette expression sans savoir quelle en est l'origine, c'est une analyse de Maurras, pays réel, pays légal. Alors pour revenir plus précisément au côté purement religieux, à votre avis, Hilaire de Crémier, est-ce que Maurras était profondément mystique ou pas du tout? Alors, ou un petit peu, je ne sais pas. Alors, je pensais que vous alliez me poser une question autre. Était-il profondément impie? Était-il profondément païen ou pas? Mystique, je ne répondrai pas. Parce que c'est, non, mystique c'est trop fort, mais enfin, disons, travaillé par la question religieuse, incontestablement, je crois que si on faisait un relevé, comme c'est maintenant la mode dans les études littéraires, du vocabulaire de Maurras, on s'apercevrait que le mot « Dieu », le mot « divin », le mot mystique, le mot mystérieux sont des mots qui reviennent le plus constamment dans sa poésie, dans son œuvre littéraire, d'une manière générale. Alors, pour revenir à cette condamnation de l'Action française, après-guerre, donc, l'Action française, en quelque sorte, reprend du poil de la bête. Elle donne des séries de conférences à travers la France, de réunions publiques qui sont considérables, le Mont des Alouettes, Strasbourg, etc. Et évidemment, le gouvernement est inquiet. Il y a Briand comme ministre des Affaires étrangères. Et puis d'autre part, dans les milieux cléricaux, on s'inquiète aussi un petit peu, particulièrement dans les milieux démocrates chrétiens. Et en Belgique, il y a un certain Fernand Passelecq, qui est journaliste, et qui monte une sorte de petit pamphlet à partir de tous les autres pamphlets qui ont été écrits précédemment à propos de Maurras et qui reprend les mêmes coupures. Et Maurras est un impie, puisqu'il a fait l'éloge de l'esclavage dans ce livre qui s'appelle « Le chemin de paradis », dans un des contes du chemin de paradis. Et alors, donc on revient à cet acte d'accusation, voilà, dans lequel il y a une pièce de résistance qui est le livre « Le chemin de paradis ». Exactement. Pierre, vous avez tout dit. Vous avez tout dit en deux mots, et c'est très clair, et c'est ça, le bloc. Et si vous voulez bien, puisqu'on ne dispose de pas énormément de temps, on va analyser, voir. Alors, en deux mots. Quel est le problème? Alors, d'abord, la condamnation arrive, de façon très surprenante, à Bordeaux, dans la semaine religieuse de Bordeaux qui s'appelle l'Aquitaine, le cardinal Andrieux, archevêque de Bordeaux, qui était d'ailleurs autrefois un lecteur de Maurras et qui avait écrit des louanges sur l'auteur de l'Étendard, donc condamne, répond à des questions prétendument d'étudiants sur l'Action française et son danger. Et alors, tout y passe, impiété, blasphème, refus de la religion, défense à Dieu d'entrer dans nos observatoires, paganisme, éloge de l'esclavage, le retour à l'Antiquité, tout y passe, et avec une violence extrême. Et il faut croire que les choses étaient très, très préparées, puisque c'était le 25 août. En fait, ça n'a paru que le 27 août, mais ça a été daté exprès de la fête de Saint-Louis, 25 août. Et le 5 septembre, c'est-à-dire dans la semaine qui a suivi, il y a eu une lettre d'approbation de Pie XI. Mais Pie XI avait suscité lui-même cette intervention du cardinal Andrieux. Alors, les historiens discutent. Moi, je recommande de lire les actes d'un colloque qui ont paru dans un acte sans précédent, la levée de la condamnation de l'Action française. Il s'agit de la levée, mais et avec donc des collaborations remarquables de Balas, de Prévost, etc. Non, il y avait une volonté politique incontestable, en dépit de tout ce qu'on a raconté, que le Saint-Père ait cru lui-même, exactement comme Léon XIII, en fait, à un intérêt religieux et donc à une décision religieuse. C'est impossible pour nous de le nier, puisqu'on ne voit pas pour quel motif autre il le ferait. Donc la question n'est pas là. Et je vais plus loin, et c'est là que j'en arrive, donc, parce que ça va très 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 vite. Maurras a beau écrire au Saint-Père, les dirigeants catholiques de l'Action française font des tas de propositions, on les oblige à une soumission intégrale, ils doivent reconnaître l'intégralité de ce corpus de condamnation sur lesquels, évidemment, pas un seul n'était d'accord, évidemment. Personne n'était dans le cadre, même pas Maurras, qui disait que, pour lui, il n'avait pas la foi. Mais il ne répondait pas du tout à ces prétendus anathèmes. Alors, malgré tout cela, ça va très très vite, puisque
bon, l'Action française est obligée d'écrire un fameux non possumus parce qu'on exige d'elle ce que la morale ordinaire n'exige pas. Qu'est-ce que c'est qu'un non-possumus ? Bien sûr, on garde son jugement de conscience. Le juge direct de notre, le juge premier direct et immédiat de notre action, c'est notre conscience personnelle. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous soumettre à cela. Et le 29 décembre, dans le cadre des fêtes de Noël, consistoire du souverain pontife et décret du Saint-Office condamnant le journal de l'Action française, des livres de Maurras, et s'appuyant sur un décret qui avait été préparé avant la guerre de 14 par, de fait, la congrégation du Saint-Office, mais que Saint Pie X avait mis de côté dans son tiroir. Et on le sait très bien, puisqu'il y a plusieurs témoignages qui montrent Pie X sortant de le document en disant « Tant que je serai là, je ne le signerai pas et Maurras ne sera pas condamné. Damnabilis, c'est non damnandus, il ne faut surtout pas le condamner, même si c'est d'apparence condamnable. Mmh. » Alors maintenant, on vient au fait, parce qu'après quoi, ça va très vite. Le 8 mars 1927, c'est le décret de la sacrée pénitencerie qui exclut des sacrements tout lecteur de l'Action française. C'est-à-dire qu'ils sont excommuniés au sens technique. Vous avez lu la Varande, le Manant du roi, le récit qui est arrivé dans toutes les familles, c'est-à-dire les morts qui ne sont pas enterrés en terre chrétienne, les enterrements interdits, les mariages qui se font in nigris. Ça a été une. Et à la même époque d'ailleurs. Se passait l'affaire des Cristeros du côté du Mexique. C'est la même histoire, mais c'est une autre affaire qu'on va examiner avec l'histoire des Cristeros. C'est du même ordre et ça relève de la même politique. Et ça va durer comme ça pendant des années et des années jusqu'à. Alors je vais très vite parce qu'il y a eu quand même beaucoup les cardinaux, les évêques français, un certain nombre d'entre eux. Ils savaient très bien que c'était injuste. Ils ont quand même eu le courage de protester. Mais il y en a eu un particulièrement, qui est le cardinal Bio, qui était à Rome, qui était le théologien de Pie X, qui est allé trouver Pie XI. Il en est sorti de son entretien, il n'était plus cardinal. Il avait remis sa pourpre. C'est un geste incroyablement violent. En prononçant ces mots, ora et potestas tenebrarum. Et il faut savoir qu'il y a eu un autre cardinal français qui a fait la même chose, le même acte. C'est le cardinal Pitra, sous Léon XIII, et à propos du ralliement, qui est allé trouver le pape pour lui dire « Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, les conséquences incalculables. » De ce geste. Il est sorti. Voici l'heure des ténèbres. Et c'était un grand bénédictin et un grand savant, et il a remis sa pourpre. C'est étonnant parce que ça devrait faire réfléchir les milieux ecclésiastiques. Ce qui peut faire réfléchir également, c'est le fait que, en fin de compte, ce sont des allumettes qui ne servent qu'une fois. Aujourd'hui, une telle condamnation susciterait l'indifférence et le mépris. Exactement. Les ordres que l'Église donnerait ne seraient tout simplement pas suivi. Oui, et puis même au Concile Vatican II, ils ont reconnu l'autonomie de la politique. Donc finalement, c'est l'usage de sanctions qui ont ainsi perdu leur force à être utilisées. Alors, il faut savoir que beaucoup quand même sont intervenus, notamment le Carmel de Lisieux, notamment les sœurs de Sainte Thérèse, qui est notamment la mère Agnès, qui était la supérieure du Carmel de Lisieux. Et ça aboutit, à la suite de tractations, à la levée de l'interdiction, donc en juillet 1939, le 10 juillet 1939, par le pape Pie XII, qui lui-même suivait cette affaire quand il était secrétaire d'État de Pie XI en tant que cardinal Pacelli et qui savait très bien qu'il y avait eu des injustices. Alors on a trouvé une sorte de modus vivendi, de telle sorte que l'Action française à l'heure actuelle n'est plus interdite, n'est plus. Oui, et il ne reste rien comme trace de la condamnation, il faut le préciser. Ça a été effacé. Le mal a été fait. Et la plupart des gens savent que l'Action française a été condamnée, mais ignorent que la condamnation a été réhabilitée. Exactement, pas réhabilitée, mais que la condamnation a été élevée. Alors maintenant, on vient au fait. Oui, alors pourquoi et on prend le livre, le corps du délit. Voilà, le corps du délit, qui, bon, principalement le chemin de paradis. Alors, c'est un livre qui est écrit en quelle année ? 1894, publié d'après ce qui est écrit, vous savez, sur les frontispices, en 1895. En réalité, il y a une petite erreur. Il a bien été publié en novembre 1994, mais la date de parution était prévue en 1895. Bon, tout ça, c'est du détail. L'important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux chemin de paradis. Et c'est là qu'une erreur
Je le dis maintenant avec beaucoup de conviction, beaucoup de certitude. Ça fait des années et des années que j'ai ça dans la tête. On nous interdisait d'une certaine manière, même à l'Action française, de jeter nos regards sur ces livres interdits de Maurras parce qu'on risquait de relancer une condamnation. Et intérieurement, connaissant ces textes et en admirant la beauté, je peux en réciter des passages mais c'est par cœur. voilà, au cap incomparable, où sans nous être aimés, nous nous sommes contrits, sans avoir osé descendre jusqu'à la version déclarée, nous avons reconnu la différence de nos cœurs. Je suis revenu seul pour songer à vous, mon ami. On comprend bien que quelqu'un qui a écrit dans cette langue et qui a écrit avec un soin pareil n'a pas écrit n'importe quoi. Mmh. Et alors, on a réduit ces contes à 9 contes d'une vulgarité, d'un commun, d'un banal, voilà. Comme si c'était Maurras se racontait lui-même. Maurras ne se raconte jamais lui-même. On peut toujours, de toute façon, ridiculiser n'importe quel texte. Alors, il est joli garçon, l'assassin de papa. Exactement. Voilà, exactement. Donc il faut aller plus loin. Exactement. Et donc il faut aller plus loin. Et très jeune, j'ai réfléchi, je me disais, mais on ne comprend pas. Alors moi-même, je ne comprenais pas. Mais puisque vous me demandez un témoignage personnel, je réfléchissais, je me disais, un jour viendra où ça sera compréhensible. Je ne dis pas je comprendrai, mais où ce sera compréhensible. Et puis de fait, je crois que j'ai donné, il y a maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, une série de conférences où j'ai fait une explication, non seulement de ce chemin de paradis, mais de toutes les œuvres cryptées de Maurras, dont je prétends qu'à l'heure actuelle, que la poésie fait partie. Même les poèmes. Même sa poésie, qui est si mystérieuse, qui est si énigmatique, et qui paraît si difficile d'accès au point que Georges Pompidou prétendait que Maurras n'était point poète. Mais parce qu'il ne comprenait pas, dans sa fameuse anthologie de la poésie française. Mais il se trompait. Alors, on ne va pas parler de la poésie de Maurras, on reviendra peut-être parler. Revenons au chemin de paradis. Il s'agit de 9 contes. Et dans sa préface même, il dit bien ce que sont ces contes. Ils sont tous cryptés. C'est-à-dire, pas un seul ne dit ce qu'il donne l'apparence de dire. Donc, il faut une clé. Pourquoi les crypter, d'abord ? Mais parce qu'il le dit. Mais pourquoi Maurras voulait-il crypter ? Eh bien, parce que je pense qu'il avait une idée derrière la tête, comme on dit, et que cette idée, il ne l'a jamais dévoilée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le mystère de sa personne. C'est le mystère de sa personnalité. C'est une énigme. Et au lieu de se poser cette question, qui aurait dû être la question fondamentale qu'on aurait dû se poser, on a voulu voir un sens direct premier, et il n'y en a pas, parce que quand vous lisez ces textes, il y a des incohérences, il y a des choses qui... Alors je donne quelques exemples pour que ce soit très simple et pour montrer à quel point on s'est trompé. Le fameux conte, par exemple, qui a servi, on a découpé des petits bouts de phrases, qui a servi pour cataloguer Maurras comme esclavagiste, qui s'appelle le conte des serviteurs, qui est dans la troisième partie de ces contes, c'est très très bien fait, 3 contes intitulés religion, 3 contes intitulés volupté, 3 contes intitulés harmonie. Et donc c'est dans cette dernière partie. Les serviteurs, c'est dans cette dernière partie. Alors, je donne cet exemple des serviteurs. Oui. L'histoire de Criton. Il meurt à Athènes, il perd sa femme, il perd ses esclaves. Puis il connaît une descente. Puis il arrive bientôt dans les Champs-Élysées, enfin, au bout d'un certain temps dans les Champs-Élysées. Et là, il s'endort, et il rencontre 5-6 jeunes fleuves qui portent leur couronne d'épis mûrs et de cornes dorées et qui jouent sur les puretés des ondes originelles. Puis il s'endort, et puis il se réveille, et puis ensuite il retrouve ses esclaves, il retrouve ses serviteurs, et il reforme une harmonie, et puis il y a une tentation qui arrive à la 373e Olympiade, j'espère que je ne me trompe pas, mais je dis ça de mémoire, 373e Olympiade qui date du jour où le Christ est mort en croix, et qui donne 1521. Une deuxième tentation qui est de revenir sur la terre. Et il dit non, parce que sur la terre règne précisément, commence à régner un Christ hébreu qui est en train de semer la cisanie partout. Alors 1521, bon, il faut bien se dire, c'est la condamnation de Luther. Donc le conte des serviteurs, c'est pas du tout l'histoire de Criton, c'est pas un éloge de l'esclavage, c'est l'histoire de l'esprit grec à travers les âges. Et une fois que c'est dit, et c'est définitif.
Et qui sont les quatre juifs obscurs par qui la nuit est tombée sur le monde? Non, c'est pas ça. La phrase n'est pas exacte. Cite-la complètement. Non, les quatre juifs obscurs, c'est tout simplement « je préfère ». Je préfère, c'est dans la préface. Voilà. Je ne quitterai pas ce cortège chavant des pères, des conciles, des papes et de tous les grands hommes de l'élite moderne pour me fier aux évangiles de quatre juifs obscurs. Mais l'expression en réalité n'est pas de lui. C'est ce que l'on ne sait pas. C'est qu'en réalité, Maurras répond avec ce petit livre à tout un mouvement qui apparaissait à l'époque et qui s'appelait le néo-évangélisme. Et ce livre du chemin de paradis répond en réalité à des contes chrétiens, c'est pour ça qu'il leur a donné une allure païenne, d'un certain Théodore de Viseva, qui intitulait ses contes « Baptême de Jésus »,« Les pèlerins d'Emmaüs », dans lesquels il est question des quatre juifs obscurs, et dans lesquels Théodore de Viseva faisait l'éloge d'un Jésus, mais qui était devenu un Jésus totalement naturaliste, d'un Jésus démocrate, d'un Jésus républicain, d'un Jésus... Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand Maurras Veillatou, quand il a publié ses contes, il a donné comme forme à ses contes, comme forme éditoriale, la même forme que les contes païens de Théodore de Viseva, avec la même typographie et la même répartition de chaque conte en quatre chapitres distincts. C'est incroyable, c'est réponse à réponse. Eh oui. Et Maurras explique très bien dans sa préface, il le dit, je n'ai pas écrit une seule ligne, mais parlons d'objets plus sérieux. Je vais retrouver. Gardez-vous donc de vous attarder à la lettre et à l'apparence. J'ai écrit un livre de fables. N'y cherchez pas la nouveauté des intrigues ourdies, ni des étrangetés d'attitude et de peinture, ni davantage aucun souci de couleur historique. J'ai banni ce souci. Je me suis défendu jusque de la joie de peindre Arlantique. Donc quand il peint Arlantique, c'est pas Arles. Voilà. Et alors il continue. J'ai laissé le désir de cette émotion ou vision du monde dont on fait tant de cas, fuyant le sublime à la mode, j'ai même tâché de répandre partout une égale lumière. C'est un abri et un bouclier que la lumière, elle est impénétrable aux curiosités du commun. Les mystères qu'elle recouvre ne seront jamais divulgués. Mais alors, j'ai une petite question là qui nous vient à l'esprit. Rapidement, cher Pierre, très rapidement, parce que messieurs, notre temps est un peu, notre temps est un peu compté. Terminé. Enfin, Maurras avait fait de son combat politique l'œuvre de sa vie. Il était, comme il le disait, rentré en politique comme on rentre en religion. Il voyait que la décision de Pie XI avait des résultats catastrophiques sur le succès de son œuvre. Pourquoi n'a-t-il pas... puisque c'était si facile d'expliquer ce qu'il y avait derrière son œuvre, pourquoi n'a-t-il pas décrypté pour se défendre? Pourquoi ne pas désamorcer d'employer un adjectif. Excuse-moi, je te tutoie. Comment on se tutoie en dehors du studio? Je crois que dans le studio, il faut dire vous. Mais, cher Pierre, vous venez d'employer un adjectif facile. Non, justement, ce n'était pas facile. Pour reprendre l'expression chère à notre président. C'était pas facile. Ça rappelle quelqu'un, ça. C'était pas facile. Et Maurras a voulu garder son secret. Et en 1926, il a publié Le Conte de la Bonne Mort. Or, qu'est-ce que c'est que Le Conte de la Bonne Mort? C'est l'histoire mystérieuse d'un jeune homme, qui est un jeune royaliste, qui est condamné par son directeur spirituel, au nom des 5 heures de Jésus et de Marie, à surtout ne pas aller dans le sens de ce qui lui paraît bon dans ses passions, pour l'épanouissement de ses passions. Alors, c'est une transposition, évidemment, de cette difficulté dans laquelle se sont trouvés les royalistes, puisqu'on leur disait, vous devez obéir au pape, c'est-à-dire à Jésus-Christ, puisqu'on disait que le pape... Il faut voir l'exagération qu'on a donnée en France, y compris dans le journal La Croix, à cette décision pontificale, exactement comme au moment de la condamnation, c'était comme si l'Esprit-Saint avait parlé. Et donc, le pauvre jeune royaliste, il doit être à la fois fidèle à sa foi, donc à la Sainte Vierge, et en même temps, il se dit, mais moi, je ne peux pas ne pas faire ce pour quoi je suis fait, puisque ma nature exige que j'aille au-devant de la passion qui me commande pour l'amour de ma patrie. Et donc cette espèce de conflit, donc Maurras l'a très habilement illustré dans une forme dans de conte mythologique, oui. Il en a fait une sorte de conte et une sorte de drame intérieur. Et l'enfant s'en sort par une sorte de suicide, mais la fin est admirable puisqu'il transforme cet enfant en une sorte de prophète.
éclairé par le soleil levant, c'est-à-dire qu'il apporte une réponse à un problème impossible. Et je vais vous dire le problème impossible, c'est que jusqu'à une certaine époque, en tous les cas du temps de Jeanne d'Arc encore, et jusqu'à après, et pourtant Jeanne d'Arc a été condamnée aussi par un tribunal de clercs, hein, par un tribunal de clercs. Jeanne d'Arc, il a fallu quand même beaucoup d'années pour obtenir une réhabilitation d'abord, et grâce au roi de France. Bien sûr. Et ensuite que Rome intervienne. Et je vais... Je finis. Oui, on je finis en deux mots. En deux mots. Je finis en deux mots. Puisqu'on ne peut plus aller à Reims en nom Jésus, en nom Sacré-Cœur, Maurras répond par ce petit livre admirable du début à la fin. Avec votre nouvelle religion, vous allez entraîner, parce que c'est une nouvelle religion, vous allez entraîner la France dans une catastrophe et l'Église elle-même dans des désordres. Et moi, je dis dans réponse, eh bien, en nom nature, en nom histoire, allons à Reims. Merci Hilaire. Merci Hilaire pour cette conclusion et pour votre analyse. Conclusion extraordinaire. Et chers amis, c'était quelques minutes de plus, mais ça le valait bien. Alors, restez-nous fidèles et à la prochaine fois.